Ah, quelle vedette! C'est pas. Avec le fruit d'une chaise, ma belle. Bonjour, pardon. Ils ont pas fait le c'est. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette table ronde organisée par la place business de la CCI Nice Côte d'Azur. Comment développer et consolider ses relations avec les grands donneurs d'ordre lorsque l'on est une TPI ou une PMI, ces relations que facilite l'outil qu'est la place business. Pour répondre à cette question, nous accueillons 6 invités. Charles Palanca, vous êtes président d'Electroni. Laurent Poyon, PDG de Savimex. Christophe Campéry-Ginesté, vous êtes directeur général adjoint chargé des opérations au sein du pôle OptiTech, c'est bien ça. Laurent Rigaud, vous êtes responsable des achats techniques au sein de MAN. Éric Rebiffet, vous êtes président de Sanofi Développement. Et enfin, François Perret, vous dirigez l'association Pacte PME. Bonjour et bienvenue, messieurs. Charles Palanca, on commence avec vous. Vous êtes fondateur donc, et dirigeant d'Electroni, qui est une PME basée à Moins-Sartou, spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et de systèmes électroniques. Alors, vous travaillez forcément auprès de secteurs variés. Est-ce que vous travaillez avec de grands donneurs d'ordre? Alors, oui, on existe depuis une trentaine d'années sur le territoire et on a des grands donneurs d'ordre que je peux citer parce qu'ils sont sur le territoire, il n'y a pas de secret. On travaille avec Schneider, on travaille avec Honeywell, bon, maintenant Resideo. On travaille avec Vichy également. On travaille également avec bon, Malongo, on peut appeler ça aussi un grand donneur d'ordre. Voilà, maintenant, ces grands donneurs d'ordre, pour autant, ne représentent jamais plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut le préciser aussi. Ce sont des entreprises et des groupes qui nous tirent vers le haut, il faut le dire, parce qu'elles nous aident à nous structurer. Et puis, c'est toujours intéressant, je dirais, d'échanger et de voir en définitive quels sont les types d'organisations qui peuvent animer les grands donneurs d'ordre et nous-mêmes et de voir cette richesse à échanger. Voilà. Alors avant de voir comment justement ils vous accompagnent et comment vous grandissez, on remarque qu'ils sont principalement établis en local. C'est un choix Alors pour nous, c'est un choix, mais je dirais que c'est presque une nécessité, quoi. Vu la taille de l'entreprise, hein, on est à peu près 25 personnes, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une PME, vraiment presque une TPE, je dirais. Et la proximité est un énorme atout. Et par définition, si vous voulez, le travail chez Electroni, en tout cas, se passe au contact. C'est-à-dire que la relation humaine est hyper importante sur les projets, également avec les grands donneurs d'ordre. Et cette proximité est essentielle, même si aujourd'hui, au travers de la digitalisation, la numérisation, on a la possibilité de travailler beaucoup plus facilement à distance. Il faut avouer que les réunions autour de la table, effectivement, entre techniciens et ingénieurs, pour faire maturer, avancer les projets de façon efficace, ça reste encore quelque chose, en tout cas chez nous, qui est efficace. Bien sûr. Ça veut dire quand même que vous avez des clients, justement, vous disiez quand même que vous avez un client à Paris. Ça n'empêche pas d'aller quand même au-delà du territoire. Vous ne Bien vous sûr. Empêchez pas d'aller au-delà. Bien sûr, on a des clients sur Paris, sur Toulouse. On a des clients même à l'étranger, on a des clients en Suisse également. Pour autant, ce ne sont pas des grands donneurs d'ordre, ce sont plutôt des PME. Et puis, vous me disiez aussi, c'est forcément, sur la carte électronique, il y a une concurrence qui, de fait, est plus difficile
que certains autres secteurs. Ben, je dirais que tous les territoires sont riches en industriels de cartes électroniques. Vous allez sur la région parisienne ou en Bretagne ou effectivement ou en Rhône-Alpes, vous avez des sous-traitants, des contraitants de cartes électroniques. Et il faut se différencier, il faut avoir une pertinence, et c'est ce qu'on essaie d'avoir, se singulariser. C'est ce qui fait, en définitive, notre marque de fabrique et notre ADN. Valeur ajoutée, bien sûr. Alors, comment ils vous accompagnent? Comment vous disiez, ils vous tirent littéralement vers le haut? Comment ça se passe? Alors, ils nous tirent vers le haut parce que déjà, bon, il y a de nombreuses années, si vous voulez, ils répondent à des normes. Il y a des critères, notamment tout ce qu'on appelle les certifications ISO 9001, ISO 14001. Alors, nous, par exemple, on est certifié ISO 9001 et ISO 14001. C'est peut-être au travers des PME et des donneurs d'ordre PME. Ce n'est pas forcément une nécessité. Ensuite, on partage des audits, des fois, qui sont encore plus pertinents, je dirais plus poussés que l'ISO 9001 et 14001, notamment avec Schneider. Et ça nous a permis de progresser énormément, puisque, en définitive, on travaille sur la traçabilité, on travaille sur l'excellence de nos process, parce que le but étant de satisfaire du mieux possible le client et d'avoir bien sûr aucun retour sur les fabrications que nous réalisons. Satisfaire ce client et ses exigences qui ne cessent forcément d'évoluer et de se multiplier. Comment ils sont du coup présents vraiment à vos côtés au-delà de dans ce rapport humain dont vous parliez parce que les certifications, les audits, c'est une chose, mais comment se fait? Est-ce que c'est un partenariat au final? On peut parler de partenariat après? Oui, alors je ne veux pas dire que ça se passe avec tous les donneurs d'ordre, enfin tous les grands donneurs d'ordre, mais en tout cas avec certains, c'est le cas. Ils mettent à disposition effectivement des ingénieurs qualiticiens, ils mettent à disposition des spécialistes du lean manufacturing chez nous pour nous aider à progresser dans notre outil de production tous les jours. Comment, qu'est-ce que vous diriez, quels seraient selon vous les principaux freins quand on est une PMI, une TPI pour aller chercher ces donneurs d'ordre, ces bons donneurs d'ordre? Pour aller chercher, le problème c'est peut-être le référencement, mais ça je vais laisser parler les donneurs d'ordre à ce niveau-là parce que se faire référencer c'est pas forcément simple, surtout quand on a vu ces dernières années qu'il y a des stratégies un petit peu draconiennes de restriction du nombre de sous-traitants. Donc ça, ce n'est pas une simplicité, mais pour autant, il y a des regroupements qui se font et on peut passer par d'autres filières. Ensuite, pour se faire connaître, je crois que c'est… Alors, je parlais pas d'excellence industrielle parce que c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il faut avoir une pertinence. Il faut avoir une pertinence dans un sujet pointu où le donneur d'ordre a le besoin. Voilà. Et des fois, ça se joue sur une personne. Quand on est dans des PME, des TPE, effectivement, on peut avoir des compétences particulières que les grands donneurs d'ordre n'ont plus, parce qu'il faut, voir aussi que ces sociétés ont terriblement évolué, et je ne suis pas sûr qu'elles aient conservé tout leur métier, quoi. Et en définitive, elles retrouvent au travers des PME, autour d'elles, eh bien, cet écosystème industriel qui leur permet de continuer leur activité. Pour autant, elles n'intègrent plus d'activité. Moi, je l'ai vu sur des… Alors, pas sur des grands donneurs d'ordre, mais il y a des fabricants ici… qui exposent de luminaires. Quand j'étais les visiter, ils avaient des moulistes, ils faisaient la plasturgie chez eux, ils avaient des usineurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus tous ces métiers. Et je pense que cette stratégie-là, elle est un peu peut-être identique chez les donneurs d'ordre. Enfin, ils vont parler, c'est eux qui le diront. En tout cas, ce qu'il faut, effectivement, c'est des pertinences pointues sur les métiers auxquels ils font appel. C'est essentiel. Alors, cette visibilité, ce référencement, on en parlera effectivement avec nos autres invités tout à l'heure. Merci beaucoup, Charles Palanca. Alors, cette expertise pointue, Laurent Coyon, vous voulez bien voilà, rapprocher votre micro, c'est le cas de Savimet, ce dont vous êtes le PDG. Vous fabriquez des composants et des systèmes optiques polymères, donc c'est vraiment une niche. Voilà, on travaille sur une niche technologique, c'est-à-dire le composant optique en matériaux polymères. Alors, le composant optique matériaux polymères, ça va de la lentille qui va dans un système optique, ça va jusqu'au prisme, on fait des miroirs, on fait des visières de casque. Donc, tout est hautement technologique. Donc, c'est technologique dans le design, puisqu'on fait du design, mais aussi dans la réalisation. Donc, des secteurs, vous adressez des secteurs de fait très variés ou... Alors, on est très variés. Quand on parle de relations avec des grands donneurs d'ordre, nous… Nos principaux clients, ce sont les équipementiers automobiles, donc ce qu'on appelle les Tier 1, hein, les Valeo, Bosch, Continental, Visteon. On travaille aussi beaucoup dans la défense, donc ouais. Les grands donneurs d'ordre de défense, des Safran, des Thales. Voilà, c'est notre relation de
de PME vis-à-vis d'un grand donneur d'ordre. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces relations, justement? Est-ce que c'est d'accéder au grand donneur, au grand donneur d'ordre, pardon, ou est-ce que c'est de pérenniser cette relation? Je dirais pas forcément accéder, parce que accéder, on a notre niche technologique et les donneurs d'ordre viennent chez nous. C'est vraiment de pérenniser cette relation. C'est ça qui est le plus important. Alors, je dirais, Charles a déjà dit énormément de choses. Hein, je ne veux pas répéter ce qu'a dit Charles, mais aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre sont très, très structurés pour contrôler, je dirais, leurs sous-traitants. Donc, il faut rentrer dans ce jeu-là. Hein, les grands donneurs d'ordre, ils ont spécifié la qualité, ils ont spécifié la logistique, ils ont spécifié, ils font, comme disait Charles, les audits. Donc, ils exigent qu'on soit effectivement ISO 9001, ISO IATF pour l'automobile, hein, et les ISO pour la défense. Donc, ça, c'est le départ de base. Mais après, ils ont chacun leurs propres exigences, hein, ce qu'ils appellent leurs propres spécifications. Et il faut absolument qu'on réponde aussi bien en design qu'en réalisation à leurs spécifications. Alors, vous disiez des audits dont parlait Charles et dont vous parliez à l'instant. Les audits, vous m'avez dit, c'est une centaine de questions. Ça nécessite un temps, énorme de préparation. Un audit, c'est énorme, oui, déjà. Déjà, l'audit automobile qui s'appelle IATF, c'est énormément de travail pour l'entreprise. C'est très intéressant parce que ça nous permet de nous structurer, mais ce n'est pas suffisant d'avoir l'audit IATF pour travailler avec un Tier 1 automobile. Ils vont venir chez nous et ils vont mettre leurs propres exigences et nous demander de répondre à leurs propres exigences. Ça a évolué vraiment, ça s'est accéléré. Ça n'arrête pas d'évoluer. Ça s'est accéléré, vous trouvez? C'est encore plus exigeant. Ça s'accélère. J'étais encore il y a 5 minutes au téléphone avec un client Tier 1 qui nous demande, qui devient exigeant sur ce qu'on appelle cleanliness, c'est-à-dire la propreté des ateliers. Donc, ça va très, très loin. Ça va dans l'organisation de la production. Je parle de la propreté des ateliers, mais dans le choix des fournisseurs de matières premières, ça va partout. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est une pression constante. Oui, la pression est constante. Elle est constante, elle est très forte. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Charles dans ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on progresse, ça nous fait énormément progresser. On se structure, on progresse. Et vraiment, pour la pérennité de l'entreprise, c'est la seule voie possible. Est-ce qu'ils vous accompagnent alors, ces donneurs d'ordre, dans cette évolution-là, pour justement que vous puissiez répondre à leurs exigences? Alors, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent les procédés spéciaux, et on a vraiment là les spécialistes de ces grands donneurs d'ordre qui viennent nous voir, qui viennent nous apprendre à travailler, qui viennent vérifier que ce qu'on fait, on le fait bien, etc. C'est vraiment pas laissé au hasard, mais on a vraiment un très bon support technique de ces grands donneurs d'ordre. Là, on parle vraiment, là encore, de partenariat. Ce n'est pas juste une relation… Oui, c'est vraiment du partenariat. Je veux dire, après, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu du partenariat. Mais à partir du moment où on joue ce jeu-là, c'est du partenariat. Ils ont confiance en nous. Ils nous donnent de nouvelles affaires. Non, c'est vraiment partenariat. C'est quoi le plus difficile? C'est l'investissement humain, le temps? Vous le disiez, voilà, vous devez être disponible. Il y a 5 minutes, vous étiez… Ce qui est difficile, c'est simplement… que les grands donneurs d'ordre sont quand même très structurés et on travaille très, très bien avec les qualiticiens, les techniciens, enfin les projets, etc. Et puis après, on passe dans la moulinette des achats. Et là, la moulinette des achats, c'est le moins cher possible. Et donc, il faut être capable d'intégrer tous ces travaux qui vont exiger de notre part et essayer de le mettre dans notre prix de vente. C'est ça le plus dur. Justement, l'investissement financier, matériel, ça représente quoi pour sans arrêt monter Alors, l'investissement matériel, proprement dit, c'est notre affaire, puisque je dirais, ils n'interviennent pas, ils ne nous aident pas dans les investissements, à part quelques procédés très spéciaux où ils peuvent intervenir. Mais, ils ne nous disent pas, quand ils nous interrogent pour nous acheter une pièce optique, qu'il va falloir répondre à tout ce qui est qualité, logistique, contrainte de qualité, contrainte logistique, contrainte organisationnelle. Ça, ils ne nous le disent pas. Mais ils le font. Mais ils le font. Ils le font. Du coup, vous êtes obligé d'aller chercher, vous me disiez, sur 12 millions de chiffre d'affaires,
Vous investissez 1 million. Oui, c'est ça, oui. C'est oui, en moyenne. Hein. Oui, mais ça, c'est pour rester au niveau maximum de la technologie. Oui. Bien sûr, qui est évolué évidemment aussi. Vous allez du coup chercher des dispositifs au-delà. Bah oui, quels sont les vers quoi on en reparlera dans un instant, mais vers quoi on peut se tourner quand on est une PME. Bon, quand on est PME de haute technologie, on est quand même pas mal aidé. Donc là, on a le représentant d'Optitech. On est membre d'Optitech, on est membre quasiment fondateur d'Optitech. C'est le pôle de compétitivité optique français. On travaille donc, avec tous ces pôles qui nous aident. Optitech nous a beaucoup aidé parce que Optitech nous aide à développer notre technologie par des partenariats et avec des accès aux financements nationaux, voire européens. Donc, c'est une voie, je dirais, qu'on exploite au maximum. C'est une piste exploitée. Après, on cherche aussi, l'année dernière, bénéficié d'une grosse subvention dans le cadre du plan de relance pour acheter une machine qui nous permet de répondre et dans le futur à des nouvelles appels d'offres de nos grands donneurs d'ordre. Donc, c'est un tout, mais honnêtement, en France, on a le CIR, on a les FUI, on a les aides de l'État. Je veux dire, il faut y aller, on est assez bien aidés. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Juste dégager peut-être du temps pour aller monter des dossiers, c'est ça, on n'a pas forcément… Mais les pôles sont là pour nous aider, justement. Merci beaucoup, Laurent Couillon. Alors, justement, tendez le… La transition, merci. Christophe Camperé-Génesté, vous êtes directeur général adjoint donc, des opérations du pôle Optitech. Savimex, comme 120 autres entreprises, je crois, c'est ça son… Oui, 180. 100… Ouh là, là, je ne suis plus à jour. Là. On a une combinaison d'entreprises aussi, de laboratoires. D'accord. Alors, présentez-nous en quelques mots la mission de ce pôle de compétitivité. Alors, nous, notre mission est assez simple. Notre mission, c'est développer l'écosystème autour de la photonique. Comme le disait M. Couillon, la photonique, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est tout ce qui touche à la vision, à la lumière. Donc, ça va. On est principalement un pôle avec des acteurs du capteur, mais on va aussi donc la captation de la lumière, le traitement de la lumière et l'affichage de la lumière. Donc, on a des adhérents qui sont principalement des petites entreprises, petites moyennes entreprises, des start-up aussi, et on a aussi des laboratoires. Donc, on a des briques technologiques qui peuvent être des briques qui sont très, très en amont, donc très, très, très au niveau recherche, et des produits finis. Et notre objectif, en fait, c'est de développer l'écosystème. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, développer l'écosystème d'un business. Et comme disait M. Couillon, c'est soit aider nos adhérents avec des partenariats pour trouver des nouvelles technologies, soit aussi aider nos adhérents à trouver de nouveaux business, des nouveaux marchés. Alors concrètement, comment vous gérez ce rôle d'interface, ce facilitateur de business entre les donneurs d'ordre et vos adhérents? On a créé depuis l'année dernière ce qu'on appelle des plateformes d'accélération, qui est un process où Optitech va chercher des problématiques chez des grands donneurs d'ordre, des grands industriels, et va trouver des solutions auprès de nos adhérents. Ce qui est intéressant pour nos adhérents, c'est qu'en fait, on fait un petit peu l'interface entre le grand groupe qui a son langage particulier, comme on vient d'entendre, qui parle son propre langage avec des structures qui sont bien définies, la technique, les achats, la qualité, et puis des sociétés qui sont de petite taille où souvent il y a un ou deux individus qui font tout. Donc, comment les faire cohabiter? Comment faire en fait qu'ils parlent le même langage? Donc, nous, on est un petit peu l'interface, on est un peu le traducteur. Le dictionnaire. Exactement, le traducteur, le facilitateur, tout à fait. D'accord. Et donc, ça rassure les grands groupes parce que nous, parce qu'il y a un pôle de compétitivité derrière. On est pôle de compétitivité. Donc, on a la chance d'avoir travaillé dans un grand groupe. Donc, on connaît le langage du grand groupe, ses normes de qualité très élevées, ses process très élevés, ses structures bien définies. Et puis aussi, on a l'avantage de savoir travailler dans des petites structures. On connaît aussi la problématique du chef d'entreprise, de la PME, de la TPE. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que vous avez déjà des résultats? Alors, on a commencé l'année dernière. On travaille avec les premiers cas ont été dans l'industrie automobile.
Donc, c'est un grand constructeur automobile auquel on a amené une solution technologique qui est une combinaison de différentes briques, différentes adhérences. Oui, c'est ça. C'est que vous allez chercher la solution telle qu'elle, elle n'existe pas forcément. Il faut la combiner, la coupler à d'autres. Et là, il n'y a que, je ne sais pas, mais vous avez en tout cas ce regard global pour voir. La chance que l'on a, c'est qu'on a un pool d'adhérents avec des technologies, des produits complémentaires. On peut combiner ça pour amener une solution optimale pour le grand donneur d'ordre, l'industriel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres, à des bureaux d'études ou quoi, vous ne vous faites payer qu'au succès. Voilà. Qu'au succès, c'est ça. Donc pour l'industriel, en fait, il n'y a pas de risque, puisqu'en fait, tant qu'il n'a pas approuvé la preuve de concept, il n'y a pas d'engagement financier. Donc le risque, est plutôt de notre côté et de l'adhérent de la PME. Donc, c'est que du positif pour engager les donneurs d'ordre. Et vous allez vraiment les démarcher, bonjour, quels sont vos besoins ? Exactement, c'est ça. C'est donc, vrai. On va les démarcher, on va les sourcer. Donc, aujourd'hui, on est dans l'industrie automobile, on est pas mal dans l'agroalimentaire aussi. C'est les deux secteurs sur lesquels on est assez présent. Ouais. Et vous pouvez aller sourcer partout ? On peut sourcer partout. Hein. On source dans la France entière, tout à fait. Et les besoins sont très larges. Et les besoins sont très larges. Ouais. On a discuté aussi avec des gros acteurs de la santé qui avaient des problématiques. Bon, on avance sur aussi ces domaines-là. Et dans les adhérents que vous avez, donc vous pourrez surtout Occitanie, PACA, c'est ça ? PACA, Occitanie, tout à fait. Voilà. Et on a cette richesse-là pour répondre aux demandes d'ordre. Bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est que la PME seule a un peu peur d'aller voir le grand groupe et aussi peut-être n'a pas la solution complète, peut-être n'a que le capteur. Donc, il lui manque peut-être la partie traitement de l'information ou la partie affichage ou la partie communication. Donc, en combinant, en faisant des espèces de mini-consortiums, on arrive à trouver des solutions globales. D'accord. Je pense que c'est une de nos valeurs ajoutées, une de nos forces. Est-ce que vous les accompagnez aussi parfois, il faut ajuster, il faut forcément peut-être monter en compétences aussi pour pouvoir répondre à ces besoins. Une fois que vous avez établi, diagnostiqué des besoins, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez les moyens aussi de les accompagner ? On a les moyens. Donc le pôle OptiTech, comme disait M. Couillon, on amène, on va chercher des financements si nécessaire pour faire grandir des projets auprès de nos adhérents, que ce soit régionaux, nationaux ou européens aussi, puisqu'on a un directeur général adjoint qui est basé à Bruxelles, qui lui fait la partie veille des projets européens ou aussi montage des consortiums et aussi un petit peu de lobbying sur cette partie-là. Donc, on va trouver les financements qui sont nécessaires pour faire grandir nos adhérents, tout à fait. Donc, ça ne peut que se multiplier, là. Tout à fait. Et en plus, le fait de travailler avec des grands donneurs d'ordre, c'est qu'en fait, nos adhérents apprennent aussi, puisqu'ils apprennent des process à être mieux structurés, comme le disait mon partenaire de gauche, toute la partie qualité, toutes les parties normatives, etc., qu'ils n'ont pas forcément. Ils sont obligés de monter en compétence, en qualité, et tout ça, c'est très positif pour eux. Oui, donc vous faites vraiment ce rôle de matching, de dialogue. Exactement. C'est vraiment ce qui manque parfois. Et ce qui est bien aussi pour le grand donneur d'ordre, c'est qu'en fait, ça le sécurise parce que nous aussi, on fait un audit auprès de nos entreprises et on s'assure que sa problématique, qui peut être une problématique internationale, hein, un donneur d'ordre qui a des lignes de production mondialement, hein, sur différents continents, il faut aussi que nous, on trouve une solution parmi nos adhérents qui a la capacité technique, mais aussi structurelle pour aller installer des systèmes dans le monde entier. Tout à fait. Donc, on est cette espèce de lien de confiance dans les deux sens. Merci beaucoup. Alors, Laurent Rigaud, bonjour. Vous êtes responsable des achats techniques au sein de l'entreprise MAN. Alors, MAN, on connaît bien ici, c'est un groupe familial qui emploie 1500 personnes rien que dans les Alpes-Maritimes, 6600 dans le monde, numéro 5 mondial des arômes et parfums. On est d'accord, vous êtes installé au Bar-sur-Loup, hein, parce qu'on parle souvent de Grasse, mais c'est plutôt Bar-sur-Loup. Hein. Donc, cet ancrage local très fort, est-ce que ça implique un sourcing local naturel ? Bien entendu. C'est même dans notre, je pense, dans notre ADN. En étant un acteur local important, on se doit d'avoir cette approche-là. Moi, je m'occupe des achats techniques. Donc, les achats techniques, on n'est pas comme certains grands groupes avec des grands appels d'offres nationaux pour des très grandes quantités. Des fois, on peut faire travailler un plombier ou des choses comme ça. Donc, on peut vraiment se tourner vers le local. Ça a toujours été le cas. C'est là, oui. Vraiment une volonté. Oui, 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 oui. Du fait aussi que ce soit un groupe familial, exactement. C'est aussi lié. Et puis, ça, c'est une nécessité d'être réactif.
La société MAN a toujours eu une approche, je dirais, différente. Vous regardez aujourd'hui la trajectoire, par exemple, du service technique. Aujourd'hui, c'est un service technique qui a plus de 80 personnes pour 1500 personnes. Il y a un ratio qui étonne encore beaucoup, mais cette force permet d'être très, très réactif sur l'outil de production. Donc, ça nous permet d'après de pouvoir sourcer en local et pouvoir avoir une compétence en interne et de s'appuyer sur des expertises externes. Alors, honnêtement, est-ce que c'est difficile ou non de sourcer en local ? Tout dépend ce qu'on cherche. Alors, vous cherchez une technologie très particulière, très pointue, c'est difficile. Mais des fois, on a des très bonnes surprises. Par contre, après, sur des choses simples, on a la chance. La société MAN fête ses 150 ans cette année. On a un historique avec nos fournisseurs et on a un partenariat long terme avec nos fournisseurs. Donc, c'est aussi une chance de pouvoir s'appuyer sur des fournisseurs qui travaillent avec nous depuis très longtemps. Donc, il y a cette richesse-là localement sur notre territoire. Qu'est-ce qui nous manquerait ? Qu'est-ce qui nous manquerait ? J'irais peut-être des fois plus d'aide pour certains fournisseurs lorsqu'ils ont des paris technologiques et qu'on retrouve hélas dans d'autres pays parce que on retrouve des ingénieurs français et des gens qui ont développé des procédés dans des entreprises étrangères. Pour quelle problématique par exemple ? Multiples, parce que la technologie dans ce qu'on achète chez MAN, il y a vraiment le matin vous pouvez acheter une technologie très particulière, le lendemain quelque chose de tout à fait standard et après partir sur autre chose. Donc non, c'est pas un secteur particulier, mais vous avez une approche, je trouve, des sociétés italiennes qui est beaucoup plus pointue dans certains domaines et je rêve de pouvoir disposer de ça en France. D'accord. À bon entendeur. Du coup, vous parliez de partenariat réellement. Comment on entretient la pérennité ? Comment on a vu que c'était pas évident, cette montée en compétences. C'est un dialogue et c'est on en revient à la communication. Une prise en considération de son interlocuteur. J'ai entendu à un moment que des gens avaient souffert des achats, passés à la moulinette des achats. C'est un terme aujourd'hui qui n'est absolument pas... que j'adhère pas, auquel j'adhère pas du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que un fournisseur, si vous le maltraitez, un jour ou l'autre, lorsque vous viendrez lui demander de l'aide, il ne pourra pas vous aider. Alors que lorsque vous êtes dans une situation confortable et que il y a un gagnant-gagnant, le jour où la situation devient un petit peu plus difficile, vous allez avoir un fournisseur qui est en face vous dire on joue le jeu. Et là, vous créez du lien, vous créez vraiment une efficience. Et c'est ce que je recherche. Voilà. Et c'est ce que je fais chez MAN depuis 13 ans. Et on a des fournisseurs dont on est très content. Donc, il n'y a pas de moulinette chez vous. On travaille les prix, mais on veut acheter au juste prix. Ouais. De toute façon, il faut qu'on soit gagnant tous. Si le groupe MAN aujourd'hui en est là, c'est grâce au fait qu'il y a des fournisseurs qui ont fourni du matériel. Parce que moi, je m'occupe du matériel, des machines. Et que ces machines fonctionnent et qu'on peut encore les rappeler derrière pour nous aider. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le one shot en disant j'achète une machine, je pressure mon fournisseur et après je ne vais plus jamais le voir, ça n'est pas. Chez nous, ça n'existe pas. Ça signifie que vous n'en cherchez pas de nouveaux de fournisseurs ou est-ce que vous avez des nouveaux besoins et du coup de nouveaux fournisseurs nécessaires ? On peut avoir des nouveaux besoins lorsque vous changez, vous avez besoin d'une nouvelle technologie. Mais lorsque vous travaillez avec un panel de fournisseurs importants, et que vous avez un partenariat, c'est difficile de dire à un fournisseur je vais en changer parce que ou alors il y a des évolutions qui font que vous ne pouvez plus continuer à travailler avec ce fournisseur là mais sinon le marché sur lequel nous travaillons régulièrement donne des nouvelles technologies, donc on va chercher ça, mais on a des fois des bonnes surprises en local et en France. Ils arrivent facilement à suivre justement vos évolutions, votre hausse d'exigences. On a des exigences. Le métier de MAN, c'est la chimie et l'alimentaire, les arômes, les parfums. Mais après, les choses sont croisées. Donc, des fois, on a des mélanges de technologies.
qui sont des fois complexes. Quand on vient pour un fournisseur en lui disant « je veux une machine qui répond à la norme ATEX ». Beaucoup de normes, beaucoup de certifications voilà, qui ne cessent de se rajouter, vous savez. Compliqué énormément le cahier des charges, mais on a des gens qui relèvent le défi et qui sont à même de nous. Il est prévu la construction d'un centre d'innovation au sein du groupe. Il est déjà en cours de construction. Il est déjà. 10 000 mètres carrés, c'est ça? Ça veut dire qu'il y aura des besoins nouveaux, des besoins en plus? Tout est lancé. Et puis, dans ce bâtiment, il y a des mouvements à l'intérieur du site. Mais il y aura toujours des besoins. De toute façon, la société MAN est en perpétuelle évolution. Donc, il y aura toujours des besoins. Qu'est-ce que vous diriez aux PME, aux PMI, TPE, TPI qui nous écoutent concrètement? Comment on peut aller chercher un donneur d'ordre? Comment on fait pour aller vous toucher, pour se faire connaître? Je reprends les termes. C'est l'innovation, c'est la niche technologique, c'est la solution qui va dire ben, c'est celui-là que je choisis. C'est là l'intérêt. Le énième fournisseur qui fait toujours la même chose, on connaît déjà, on a déjà des gens qui le font très bien, qu'on connaît depuis 20-30 ans. Donc, on ne va pas casser cette relation-là. Par contre, le nouveau qui arrive avec une autre technologie, avec quelque chose qui vient en plus, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ça vous arrive de découvrir encore sur notre territoire des entreprises qui seraient là depuis un moment? C'est vrai? On apprend tous les jours, on découvre tous les jours et non, c'est... Quand je disais tout à l'heure que je rêvais de découvrir. Oui, oui. Mais il y a un plaisir à toujours avoir lorsque vous voyez dans des salons des technologies, des nouvelles technologies qui arrivent. Ça, donc, gardez toujours un œil ouvert sur... La veille technologique est nécessaire. Donc, même si on est installé depuis longtemps sur le territoire, on peut justement vous taper dans l'œil. Cet œil ouvert sur des... Merci beaucoup. Éric Rebiffet, bonjour. On va juste, je vais vous laisser rapprocher votre micro. Vous êtes président de Sanofi Développement. Alors, Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, mais finalement, assez éloigné de l'image du grand groupe inaccessible parce que vous êtes très présent partout en France. J'ai compté 36 sites, c'est ça, en métropole. 33. Oh, 33, je vous en rajoutais. Métropole et Outre-mer. Donc, un ancrage local très fort. Est-ce que ça veut dire forcément une volonté de sourcing local? Oui, alors vous avez raison. 33 sites d'implantation en France, dont un d'ailleurs sur la région PACA à Sisteron, donc dans le Nord. Une implantation historique industrielle très forte, puisque sur ces 33, vous en avez 18 qui concerne les activités industrielles. Puis ensuite, vous avez des sites de recherche et développement, de supply chain, de distribution et des sites tertiaires, évidemment, puisque l'ensemble des centres de décision de Sanofi sont en France. Le siège est à Paris et vous avez pour les activités vaccins le centre de décision à Lyon. Donc, oui, vous avez raison, il y a une proximité territoriale importante avec, bien entendu, des fournisseurs, avec des entreprises basées sur le territoire. Vous avez des enjeux, bien sûr, de recrutement et de compétences aussi qui sont forts par rapport notamment au développement de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Sur Sisteron, par exemple, Sanofi a fait des investissements récents pour augmenter encore les capacités de ce site, ses capacités de production et ses capacités d'innovation. Peut-être plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit précédemment. La dimension globale qu'il ne faut pas oublier pour une entreprise comme Sanofi. Donc, nous sommes évidemment les achats, je ne suis pas aux achats, mais les acheteurs sont dans une offre concurrentielle mondiale. Donc, ils confrontent bien évidemment les offres des PME, des entreprises françaises, avec des offres venant du monde entier. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est la dimension réglementaire, évidemment, qui est très contraignante, mais à laquelle nous sommes aussi soumis directement, avec une augmentation permanente, je vois que mon voisin est d'accord, avec et surtout dans le secteur de la santé, mais je pense que ça touche aujourd'hui tous les secteurs, avec une augmentation permanente du niveau de réglementation, ce qui est une bonne chose aussi, mais évidemment, ça a des contraintes en cascade sur l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis, un commentaire sur les pôles de compétitivité, puisque en France, vous avez 6 pôles de compétitivité santé que je connais bien, avec lesquels je travaille bien, dans lesquels d'ailleurs
des collaborateurs Sanofi sont impliqués dans la gouvernance et qui constituent véritablement, je suis d'accord avec vous, un relais de transmission, une courroie de transmission entre les entreprises, notamment les acteurs du territoire, leurs adhérents, et les grands comptes. C'est une courroie de transmission qui nous permet notamment d'échanger sur des sujets techniques, et vous les avez évoqués, c'est très important de maintenir ce niveau de qualification technique, mais aussi d'échanger sur un certain nombre de sujets et de dossiers qui concernent la filière. Donc, il est important effectivement de trouver ces acteurs, ces courroies de transmission, où en gros, souvent, le chef d'entreprise nous dit « moi, je ne sais pas à quelle porte taper quand je veux m'adresser à Sanofi », ou alors « quand j'ai quelqu'un, ça tourne en orbite et je n'ai jamais de réponse ». Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une difficulté d'approche pour une start-up, pour une PME, vis-à-vis du grand compte. Donc, on essaie de pallier ces difficultés en travaillant justement avec des acteurs de proximité, comme les pôles de compétitivité. Après, sur la dimension, alors vous avez évoqué partenariat, je suis d'accord, je dirais même plus, on est parfois sur des sujets de co-développement. On est sur des sujets de co-construction ou de co-développement industriel avec des PMI, avec des start-up qui nous apportent effectivement énormément d'innovation, énormément d'agilité et je défends cette dimension de co-développement inter-entreprise. Ce qui nous amène évidemment à appuyer, et ça fait partie de mon job, le développement de ces PME et de ces start-up. En disant, et je travaille beaucoup avec les achats, en disant on va identifier, alors on ne va pas le faire avec toutes les entreprises, Sanofi travaille avec 4000 PME en France, qui sont des fournisseurs. Dans la santé et en dehors de la santé. Oui, absolument. Ça, absolument. Vous n'avez pas que des dans fournisseurs. La santé, mais en dehors de la santé pour faire tourner les usines de production, même les sites tertiaires. Et donc, on travaille sur des dispositifs qui nous permettent d'écouter les chefs d'entreprise, de comprendre quels sont leurs besoins au cas par cas, et par rapport à l'expression de ces besoins, finalement, de trouver des leviers internes et des leviers externes, leur facilitant et accélérant leur développement. Alors, pour plusieurs raisons, certains sont trop dépendants vis-à-vis de Sanofi, donc il nous faut lever ce niveau de dépendance et trouver effectivement des solutions de business permettant de réduire ce niveau de dépendance. Mais évidemment, en fonction de leurs besoins, on va activer des leviers différents. Alors, peut-être deux ça exemples. Ça va être quoi ? Voilà, c'est dispositif. Deux exemples. Le recrutement. Mm-hmm. Le recrutement est un sujet clé pour les entreprises, les PME, et régulièrement, les chefs d'entreprise nous disent « c'est mon souci principal ». Je n'ai pas vos structures RH pour assurer ces recrutements, donc aidez-nous à travailler sur le sujet. Nous avons mis en place depuis plusieurs années avec la filière santé et notre branche professionnelle, le LEM, et avec les acteurs RH de Sanofi, des forums de recrutement qui nous permettent d'informer nos alternants et stagiaires que nous avons formés, et nous en formons beaucoup. On forme 1500 alternants chaque année et autant de stagiaires. On ne peut pas les recruter. Mais par contre, notre objectif est de les conserver au sein de la filière et de faire en sorte que ces jeunes, qui sont extrêmement compétents et motivés, soient connus des acteurs de la filière, des PME, des start-up. Donc, nous avons ce qu'on appelle des carrières days chez Sanofi, qui nous permettent d'inviter les start-up et les PME avec lesquels nous travaillons, de les faire rencontrer les alternants que nous avons formés, de manière à ce qu'ils puissent effectivement les recruter et avoir quelque part un critère de qualité, si je puis dire, quand même, par rapport à l'expérience que ces jeunes ont pu avoir chez Sanofi en étant formatés. Bon, après, il y a tout le sujet de mise en réseau, développement international. Je suis conseiller commerce extérieur, donc c'est effectivement un sujet qui m'importe beaucoup. Et de travailler avec un certain nombre d'autres acteurs, et je pense à Pacte PME, avec qui nous sommes étroitement en association pour développer un certain nombre de sujets, pour optimiser. Alors, vous avez beaucoup parlé de la qualité, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a un autre sujet sur lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est tout ce qui est l'engagement social de l'entreprise. Engagement social et sociétal de l'entreprise, il faut que nos start-up PME comprennent et sachent précisément, quand elles postulent à un appel d'offres, quel est l'engagement social de l'entreprise. Ça, Laurent Coyon m'avait dit que vous étiez audité aussi là-dessus, Donc ça, c'est très important. RSE, parce qu'évidemment, une entreprise qui ne serait pas alignée avec celle de son grand compte, ne pourrait pas accéder à l'appel d'offres. Et
Avec François Perret, donc, on a mis en place un dispositif d'information et d'accélération auprès de ces PME pour leur expliquer les enjeux considérables aujourd'hui portés par les grands comptes dans une dimension responsabilité sociale, hygiène, sécurité, environnement. Et ça, c'est notre rôle que d'informer et de former les chefs d'entreprise par rapport à ces sujets, et pas simplement de les planter, je dirais, face à l'appel d'offres de 300 pages, comme vous le disiez, en disant, mais là, qu'est-ce que je réponds ? Quelle case, finalement, je vais cocher sur cette dimension-là ? Donc, il y a tous ces dispositifs, il y a aussi un accompagnement, un coup de pouce aussi financier qui peut être fait par le biais de Sanofi Développement. Effectivement, Sanofi Développement fait des prêts. Alors, on est sur des enjeux de revitalisation, donc je prête de l'argent à des entreprises. Ce n'est pas des montants de prêts très importants, on tourne autour de, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros. Mais en fait, l'intérêt de ces prêts, c'est d'avoir un effet levier, quelque part une caution de Sanofi, permettant à des entreprises qui ont des besoins de levée de fonds de s'adresser à des banques ou à des fonds d'investissement qui verront effectivement finalement la caution de Sanofi pour faciliter la levée de fonds et faire parfois des fois 5, fois 10 sur le besoin financier de l'entreprise. Et là, ce n'est pas forcément sur la santé. Non, là, on est plutôt effectivement dans une proximité territoriale. D'accord. Donc, on va cibler plutôt des entreprises industrielles. Si elles sont de la santé, elles c'est sont prioritaires, mieux, bien sûr. Mais pas exclusivement. C'est ouvert aussi. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Robiffet. Alors, François Perret, justement, vous avez l'habitude de collaborer l'un et l'autre. François Perret, vous êtes haut fonctionnaire au ministère de l'Économie et des Finances, ancien conseiller de la ministre Fleur Pellerin sur les PME et l'entrepreneuriat, actuellement détaché comme directeur général de l'association Pacte PME. Et pour être complet, vous êtes chargé d'une mission par les ministres de l'Économie et du Travail afin de populariser les dispositifs d'épargne salariale dans l'entreprise. Alors, avant de parler de ces dispositifs, présentez-nous en quelques mots l'association Pacte PME que vous dirigez. Merci Olivia. Oui, l'association Pacte PME, elle illustre bien, effectivement. Rapprochez-vous peut-être. Encore un petit peu. Ok. Voilà, merci. Alors, l'association Pacte PME illustre bien finalement le propos qu'on vient d'avoir avec chacun autour de la table ronde, c'est-à-dire l'enjeu effectivement de créer la confiance entre les entreprises de toute taille dans notre pays, c'est-à-dire de rapprocher finalement les grands groupes, les ETI et les PME, c'est-à-dire toutes les entreprises qui contribuent à fabriquer cet écosystème productif le plus compétitif et le plus innovant possible en France. C'est vraiment ça notre objet, c'est-à-dire qu'on a derrière nous des grands groupes comme Sanofi, des organisations professionnelles, et on est en train de faire entrer dans notre gouvernance, pour être encore plus proche des territoires et du terrain, des PME et des ETI en direct. Quels sont les freins principaux pour les PME lorsqu'il s'agit d'aborder, de travailler auprès de grands comptes ? Alors, c'est jamais simple, de toute façon, un rapport du petit au grand. Hein, on le sait dans notre société, dans notre culture, on a toujours tendance à se dire que ce n'est pas facile d'aborder plus grand que soi. Et pour les grands, d'avoir peut-être la tentation d'écraser les petits. Je crois qu'en réalité, les propos de chacun l'ont bien illustré cet après-midi. Cette tentation est en train de disparaître de plus en plus parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en réalité… ne pas considérer un fournisseur à sa juste valeur, considérer un fournisseur juste comme un co-traitant ponctuel et non pas un partenaire de moyen terme, c'est quelque part également compromettre son propre avenir. C'est une réelle interdépendance. Oui, parce que en réalité, on voit bien que ce qui est en train de se passer depuis une quinzaine d'années, c'est que l'innovation est de plus en plus une innovation ouverte, une innovation collaborative. Vous avez 998 des 1000 plus grosses innovations des 20 dernières années qui ont été co-conçues. Cela montre bien que, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a 3 ou 4 décennies, un grand compte ne peut pas avancer seul. Donc, dans son giron, il doit effectivement avoir un certain nombre de PME, un certain nombre de start-up. Ce n'est pas forcément évident pour le grand compte de les repérer et de repérer les bons partenaires. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on existe, c'est-à-dire, quelque part, de l'aider dans son sourcing à repérer les entreprises qui ont effectivement le niveau de performance, d'innovation, de fiabilité, a priori les plus importants. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il reste, un certain nombre de freins. Et ces freins sont parfois étonnamment basiques.
D'abord, les PME ne savent pas toujours à qui s'adresser chez un grand compte. Alors nous, on essaye évidemment de faire en sorte que dans les grands comptes qui sont adhérents à Pacte PME, il y a un point d'entrée. Alors, on peut penser que ce point d'entrée, il est toujours aux achats, mais étant donné que les sujets abordés avec le grand groupe sont parfois très différenciés, le point d'entrée, il peut être à l'innovation, il peut être dans la RSE, il peut être côté métier. L'essentiel, c'est de veiller à ce que ces différents interlocuteurs au sein du grand groupe se parlent eux-mêmes pour organiser la relation avec la PME. Et là-dessus, il y a quand même encore d'énormes progrès à faire. Le deuxième obstacle, il y en aurait beaucoup, mais le deuxième obstacle que je veux rappeler, c'est parfois la solitude de la PME. Toutes les PME aujourd'hui et encore davantage demain n'auront pas la capacité à entrer en direct chez un grand groupe. Et moi, je crois que pour transformer la contrainte en opportunité, je crois qu'il faut passer le message à nos dirigeants de PME qu'ils peuvent aussi, qu'ils doivent s'allier à d'autres partenaires PME. Parce que parfois, un grand compte, le plus souvent, un grand compte attend aussi une force de frappe. Il attend de l'innovation, mais il attend aussi la capacité à faire, il attend la fiabilité. Et pour ça, le fait de pouvoir s'entourer d'autres compétences dans d'autres PME, même si c'est prendre toujours un petit risque que de s'ouvrir aux autres, c'est aussi un point d'entrée majeur pour accéder à la commande publique comme à la commande privée. C'est quelque chose que vous faites, vous, l'un, l'autre, chef d'entreprise? Tout à l'heure, on parlait du pôle de compétitivité. En fait, dans le cadre de notre pôle de compétitivité, on essaye, en fait, l'intérêt du pôle, c'est de connaître les compétences de chaque PME. Là, au Petit Tech, on est 180 PME et on se connaît tous. Et quand il faut monter un projet, projet à financement ou alors répondre à des gros appels d'offres, en fait, on se structure et on sait où aller chercher la complémentarité. C'est pour ça que moi, je défends beaucoup les pôles de compétitivité dans leur structure actuelle. Il se trouve que Electronix, on est à côté de Savimex et qu'on fait des projets ensemble. Donc, c'est pas un hasard. Entre PME, on sait déjà faire ça. On est friands de la coopération. Surtout sur notre territoire qui est fait principalement de la TPE. Et c'est tout l'intérêt. Et c'est vrai que moi, je donnerais par exemple, pour Thalès, j'ai quelqu'un sur Gemenos. Il est entreprise individuelle, il est seul et il travaille pour Thalès Aena Space. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Et c'est le cas. Et il travaille avec nous aussi. Donc, c'est très intéressant. C'est que, en définitive, il y a une multiplicité de situations. Ce qui est important, c'est de garder les interactions, quoi. Ce qui est fondamental, c'est de privilégier les interactions. Et on y travaille tous les jours et au travers de la table ronde que l'on fait ici, au travers de la CCI, au travers de l'UMM que l'on anime, au travers des clubs, au travers de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ce que fait Imatera, au travers des rapprochements université-entreprise, que fait Recherche et Avenir. Vous voyez, tous ces écosystèmes qui sont riches, qui mettent en relation les industries, les universités, les écoles, les donneurs d'ordre, et c'est ça. Voilà. Et on crée l'écosystème qui fait vivre nos familles, nos enfants, notre bien territoire, sûr. Qui enrichit effectivement notre nation. Quoi. Et on est là pour ça. Quoi. Ça donne de la visibilité, du coup, comme vous disiez, aux grands comptes qui ne peuvent pas forcément, évidemment. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai confiance dans l'avenir de la construction de cet écosystème collaboratif, parce que d'abord, on n'en a pas beaucoup parlé cet après-midi, mais dans le contexte de crise que nous avons vécu depuis mars 2020, on a vu des réflexes collaboratifs très poussés de la part de nos grands donneurs d'ordre qui se sont mis à créer des systèmes d'écoute, d'analyse de la criticité des entreprises, de leur écosystème, pour essayer de voir dans quelle mesure elles pouvaient les aider d'abord en les payant à l'heure, voire parfois en anticipant le règlement d'un certain nombre de factures, les aider en leur donnant de la visibilité dans la commande. Donc, ce qui s'est passé pendant la crise n'a évidemment pas vocation à se défaire à l'occasion d'une situation. On voit qu'il y a un rebond quand même extraordinaire de l'économie française. Simplement, il me semble honnête aussi de dire que si on veut que les grands groupes continuent de tendre la main aux PME, il faut aussi que les PME continuent d'accélérer leur transformation. Ça, c'est quand même une évidence, mais elle n'est pas forcément encore reconnue par tous. Est-ce qu'elles en ont conscience du niveau qu'elles doivent atteindre, ces PME? Alors, probablement pas toutes. Probablement pas toutes. Il y a encore des PME qui attendent que le marché tombe un peu tout seul. Il y en a de moins en moins. Le discours
notamment des entreprises et des organisations professionnelles sur le sujet. Quand moi, je me présentais comme pacte paiement, on me disait, bon, alors, vous me présentez un grand groupe qui va me passer une commande. Bon, en réalité, quelques années plus tard, les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire pour qu'un grand compte s'intéresse à moi? Et là, il y a eu plusieurs éléments de réponse qui ont été apportés. Je les répète, mais c'est très important. Oui, l'innovation, il faut se différencier. Il faut arriver avec quelque chose que les autres n'ont pas, voilà, si on veut intéresser un grand groupe. Deuxièmement, la capacité à faire. Ça rejoint également notre discussion sur les alliances. Et finalement, la question de la confiance, de la fiabilité du partenaire. Et puis, il y a probablement d'autres conditions de succès. Il y en a beaucoup. Mais je crois qu'il y a aussi le rôle que jouent quand même aussi en arrière-fond les pouvoirs publics pour favoriser un petit peu tous ces mouvements coopératifs. Moi, je trouve que on peut être dur parfois avec nos gouvernants, mais il me semble qu'ils ont fait un travail quand même extraordinaire depuis le début de l'année 2020. Je voyais encore que la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, annonçait que 550 entreprises sont actuellement accompagnées par l'État dans le cadre de projets de relocalisation. Donc, il y a eu des enveloppes colossales qui ont été déversées pour favoriser un renouveau de notre industrie. Et je crois qu'il faut que, évidemment, l'initiative privée prenne le relais. Mais c'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé depuis plus d'un an de réindustrialisation. Il y a eu énormément d'enveloppes très, très généreuses qui ont été accordées. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent en attendre, ces PME, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire et quel est le résultat concret? Alors, on ne peut pas tout attendre de l'aide publique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on est un industriel, comme beaucoup le sont autour de la table, on ne prend pas une décision uniquement en fonction de l'environnement public et de quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros qui seraient distribués. On fait d'abord un choix guidé par la présomption stratégique qu'effectivement, il faut par exemple relocaliser. Et donc, les études montrent que ce n'est pas en fonction de l'aide publique, qui correspond parfois aussi à des effets d'aubaine, que les industriels se situent pour relocaliser. En revanche, cette aide publique, elle intervient de différentes manières. En réalité, il y a eu les dispositifs de soutien pendant la crise. La baisse des impôts de production est une aide indirecte particulièrement efficace pour aider les entreprises à retrouver un niveau de compétitivité et d'innovation et les aider à investir. Donc, je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'on aille. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est à la fois peut-être de réduire un petit peu la fiscalité qui pèse sur les entreprises, c'est aussi de proposer un environnement administratif plus simplifié, hein, que ça prenne moins de temps de faire un certain nombre de démarches administratives. Ça, c'est généralement ce qui est attendu par les dirigeants de PME. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Mais à un moment donné, bien sûr, les uns et les autres doivent se prendre en charge. Et moi, j'appelle effectivement tous ceux qui le peuvent à se rassembler au niveau des territoires, dans le cadre des pôles de compétitivité, au niveau des organisations patronales, des organisations professionnelles, pour vraiment tracer une feuille de route collaborative qui associe filière par filière. Hein, on le sait, c'est le cas avec le CSF Santé, mais ça doit être le cas dans les autres filières. Et là, je dois le dire, certaines filières sont mieux organisées encore aujourd'hui que d'autres. Certaines sont exemplaires. Alors, quand on cite un nom en termes d'exemplarité, on prend toujours le risque d'être démenti dans la minute qui suit, mais je dirais quand même qu'on sait que dans l'aéronautique, de ce point de vue-là, il y a quand même une structuration très, très forte. Et dans d'autres filières, c'est parfois un petit peu moins le cas. Et donc, je crois qu'il faut vraiment encourager ces mouvements pour montrer que le chemin de l'économie française, dans une mondialisation avec des cycles d'innovation raccourcis, c'est avant tout le chemin de la solidarité inter-entreprise, la solidarité économique, et il faut tout mettre en œuvre pour favoriser ces mouvements de rapprochement. Monsieur Rebiffé. Non, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, l'illustration du plan de relance, des investissements du plan de relance, des plans d'investissement d'avenir, des PIEC, puisqu'on parle aujourd'hui de programmes européens, c'est la possibilité de mettre en place finalement des consortiums d'acteurs, des grands groupes, mais aussi des startups, des PME, des ETI qui participent avec des acteurs académiques. Et nous l'avons fait chez Sanofi, je pense à plusieurs choses. Je pense au campus Biotech Digital qui se veut un campus d'excellence sur la formation des biotechnologies dans la dimension numérique et digitale. Ce consortium, ce campus, a été monté sur des fonds de relance et intègre tous les acteurs. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas simplement
une action de Sanofi, et ça n'aurait pas pu être aussi enrichissant si ça avait été simplement une action de Sanofi. Donc, effectivement, ces opportunités de financement via des PIA ou via, effectivement, le plan de relance ou de relocalisation industrielle aussi, nous permettent de réfléchir à un niveau territorial, à une maille territoriale, avec un ensemble d'acteurs pour monter en commun un projet qui a toutes les chances de réussir. Ça, c'est très important. On revient vraiment à cette notion de co-développement, absolument, de co-construction, absolument, qui est la base aujourd'hui. Et chacun apporte son élément au puzzle. Chacun est effectivement déterminant dans la réussite du projet. Juste un petit conseil par rapport au commentaire aussi qui a été fait sur la différenciation des PME-PMI. Ça, je crois que c'est très important. On voit évidemment beaucoup de PME, beaucoup de start-up qui nous approchent. Il faut vraiment que le chef d'entreprise, à chaque fois, se pose la question en quoi, finalement, mon offre est différenciante par rapport à l'objectif stratégique du groupe que je rencontre. Ce n'est pas simplement je présente mon offre de produit ou mon offre de service. En quoi, aujourd'hui, elle se positionne, elle se positionne dans l'engagement stratégique qui a été défini et annoncé par le grand compte. Et ça sera extrêmement facilitateur en termes d'écoute et en termes d'analyse de l'offre proposée. Merci beaucoup, messieurs. Et qu'on veut réagir ? Merci beaucoup. Il est l'heure, il est l'heure des rendez-vous à business de la place business. Donc, j'invite les participants à se rendre à l'accueil où vous sera remis vos plannings de rendez-vous. Des rendez-vous qui démarrent à 15h précises. Donc, bon rendez-vous, messieurs. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi. Merci à tous. Merci.